Mais il est déjà là, lui. Il est déjà là. Je suis en train de régler peinard. Et ouais. Le retour. Là, c'est un peu trop lumineux. J'arrive, faut que j'installe. Matos. Et je suis de Le son de la zik est trop fort. Bon ouais, non, mais je suis en train de régler les trucs. Ok, moins 15, moins 15,6. De toute façon, je vais enlever la zik. On va faire comme Euro Truck. La musique, elle dégage. La musique, on n'en veut pas. Et nous avons Rage. Comment va le Rage? Les camionneurs passent plus de 240 nuits hors de chez eux chaque année. Le saviez-vous? Le faviez-vous? Nous vous remercions de participer à nos efforts et de récupération. On va avoir besoin de toute l'aide possible pour réparer le pont. Ah oui, je me souviens. D'abord, vous allez voir trouver une tour de guet. Ensuite, il faut trouver un camion capable de transporter les matériaux et après, on pourra atteindre le premier garage. Ah oui, je me souviens trop. Ah putain, c'est pas super fluide. Il va falloir que je... Peut-être que... Bon, on va voir. Qu'est-ce que t'as acheté de beau? Bah j'ai acheté ça, SnowRunner, et puis GTA 5 aussi, pour retest. Parce que je crois qu'avec le SSD, mon PC a beaucoup plus de capacité. Et c'est tout. Non mais en termes de fluidité, je suis pas... Bon, on va voir. On va mettre un peu de Zigmu. Les deux étaient gratos, bah tant pis. Je contribue à l'effort des développeurs. Pour les développeurs.
On va mettre top 50 Amazon Music. Oula, c'est fort. A music, my friend. Faut que je mette mes écouteurs pour être dans l'ambiance un peu comme Euro truc. Ouais, j'y ai pas pensé. La première chose à faire est d'explorer votre environnement proche. Appuie sur ça. Allons trouver cette tour de guet. Allez là, la tour de guet, ok. On fait comment? Faut appuyer sur A. Mais c'est peut-être un peu fort, j'entends même plus le son du jeu. C'est con. Ah, point de destination, voilà. Le son du jeu, il est tellement bas, j'entends rien. Comment ça se fait? Attends, le son du jeu, il est au maximum. Volume principal, tout est au max. Alors, faut que je monte mon son local et que je descende le son de la musique. Voilà, c'est bon. Y'en ne sait. Allez, on y va. Ah non, faut que je trouve la tour de guet, elle est où? Bah elle est là, la tour de guet, pourquoi on me dit... Remote play, c'est... T'as le jeu, et puis l'autre, il peut jouer sans avoir le jeu. Alors ça, c'est le frein à main. Ah, le bruit! Comment on change de vue? Ah! Ah non, c'est quoi? Attends, j'ai les vitesses en bas! C'est quoi ça? Point mort. Marche arrière. C'est quoi L? Je sais pas. C'est quoi ça? C'est frein ça? Ah, ça c'est le frein. Marche arrière. Attends, mais je veux changer la vue, moi, comment on fait? Bah, y a pas de bouton pour changer la vue? Putain, c'est nul! Attends, je vais changer de vue, moi. Ah, voilà! Allez, c'est parti. Oh putain. Faut passer en vitesse basse. LB. Vitesse basse, c'est L. C'est bon. Ah bah dis donc. Attends mais... Ok, ça commence bien. Peut-être pas une bonne idée de se mettre en vue intérieure. Putain, je me suis déjà embourbé. Mais c'est clair, je me suis déjà bloqué. C'est bon là. Appuyez sur X, maintenez LB. Ouais, c'est ce que j'ai. Maintenez LB, appuyez sur X, c'est ce que j'ai fait pourtant. Ah, mais non, voilà, il était pas activé. Ils m'ont dit passer en vitesse baisse et après tu fais ça. Vitesse basse. Voilà, c'est bon.
Vous devriez stopper la vitesse basse. Non, je vais pas la stopper du tout. Ah! On y arrive! Ah! Putain, c'est autre chose que Euro Truck, la galère pour faire 5 mètres. C'est bon, on va y arriver. Ah bah dis donc, le terrain là. Non, je vais voir, j'ai enlevé la vitesse basse sinon. Voilà, on va plus vite peut-être. C'est bon, LB, X. Oh, le bruit là-dedans, merde, on ne s'entend plus! Voilà! C'est bon. Ouais, je suis à la manette, ouais. Impeccable. Et par contre, c'est dommage, il n'y a pas de vibration dans la manette. Oh là, attends, c'est dur à manier. Oh là là. Quand tu conduis, que ça fait des petites... T'as des petits reliefs, c'est dommage. J'aime pas trop les FPS, je vais peut-être baisser un peu les graphismes. Peut-être les mettre en moyen parce qu'il m'a tout mis en élevé. Donc j'ai l'impression que je suis à 20 FPS là. Oh non! Putain, ça veut pas tourner! D'accord! Je casse tout. Le passage dans l'eau. Ah merde, l'eau endommage le camion. Voilà. Impeccable. Non mais attends, j'ai baissé un peu les graphes. Peut-être avoir un truc plus fluide là. Déjà le flou c'est nul. Ça c'est quoi ça? Affiné. On va enlever. Grain on enlève. Ah déjà ça a l'air un peu mieux. On va mettre distance d'affichage bas. Ah ça y est, je gagne en fluidité. Densité on laisse. Qualité des objets moyen. Les effets on va laisser. Les ombres. Les ombres, on s'en fout. Le filtrage. Le filtrage, au pire, j'en mets pas. Donc, je le mets à 2. Occlusion ambiante. Ah, je le mets jamais d'habitude, ça. Angle du feuillage. 1 mètre bas. Ah, le brouillard, on s'en tape. Ah, voilà, le brouillard pourri, il n'y a plus. On se croirait sur la N64. Un jeu par jour. C'est ça. Puits de lumière. Ah merde, non, il faut les reflets quand même. Il n'y a plus les reflets dans la rétro. Ah voilà. Bon, est-ce qu'on a plus de fluidité? C'est pas convaincant. Mais attends, mais c'est par où là? Comment est-ce qu'on enlève tout là? Choisir le marqueur. Non, mais enlève-moi ça, pourquoi? J'ai voulu m'enlever les points là. Ah, effacer.
On va passer par où? Par là. On se le demande. On va écouter la musique du jeu. Musique du jeu. On va baisser. Ouais, on va voir la musique. Il y a de la musique ou pas? Le volume du camion qui nous casse un peu les oreilles, on va le mettre au 75. Le volume ambiant, on va le mettre au 60. Ah non, si, c'est bien le volume ambiant. Voilà, voyons voir. Faut aller pour là, les amis. On y va. Ah, mais attends, mais c'est de la bouillabaisse, ça! Qu'est-ce que c'est que cette bouillabaisse devant, là? On va passer sur la gauche. Dans la bouillabaisse. Où je sens que je vais m'embourber. Je vais passer en vitesse basse et AWD. Oh là là! Ça passe. On a évité l'obstacle. Ouh là là! Bah c'est pas facile, hein! Si c'est bon. Ouh là là, ouh là là. Ah ouais, faut que j'aille à la tour de guet, elle est là. Ça roule bien, allez. Allez, ma poule. Roule, ma poule. On va pas aller dans le tas, là. Là, on est bien, dans l'herbe. Putain, comme on galère. Bon, faut que je trouve un camion. Il est où le camion là? Un camion! Ah bah, on a plein d'objectifs qui sont apparus. Nous avons la scierie. Nous avons le camion. Nous avons l'entrepôt. Ils me disent qu'il faut que j'aille chercher un camion. Trouver le camion! Il n'y en a rien, un camion, un GMC, là. Faut y aller, là. Ah non, mais attends, mais ça me fait passer... On va pas passer au milieu, là. Alors. On va faire quoi? Mais on voit rien, pourquoi ils mettent Chevrolet comme ça, là? Je peux pas plus zoomer que ça? Ah non, même pas. Moi, alors, je prends la route, là, je fais ça... Mais non, qu'est-ce qu'il fait? On peut pas aller là? Ah voilà. Je fais le GPS. Ah, peut-être pas, on dirait que la route, elle n'est plus en état ici. Nous allons longer les arbres. Non, faire ça plutôt, ça. Route. Là, on évite la route, ça a l'air un bourbier. Et on est arrivé. Ok, let's go. Ah, c'est dommage qu'on ait pas de minimap pour nous indiquer, un peu comme dans Euro Truck. Il nous faudra une mini-carte. Allez, on y va. Ah merde, le pont il est là-bas. Qu'est-ce que je fais? Oh bah je coupe, allez, je coupe. Est-ce que ça passe? Je sais pas si ça passe. Ça passe ou quoi? Mais il y a pas de musique, c'est chiant dans le jeu. Ah, je voulais de remettre de la Zikmu.
On va mettre Radio Hits. Ça sonne bourbier. Georgia. On va voir le bourbier. Oh là là. Putain, mais c'est la pluie en plus, c'est la déferlante. Putain, ça passe, eh. Ça se passe pas mal. Putain, on est en Bretagne, il arrête pas de pleuvoir. Eh, je pourrais peut-être couper par les... Eh, je tente, je coupe par les bois. C'est bon, ça passe. Allez, génial. Je prends même pas la route. Ouais, ça passe. Et voilà, je suis déjà arrivé. Wow, par contre, la route principale, c'est de la merde. Hey, welcome, my friend. On a le camion. Nouveau véhicule, votre premier camion d'autoroute. Ce camion est conçu pour la route. Bah, il n'a pas de capacité hors-piste. Essayez de ne pas aller dans les marécages ou dans la boue épaisse. Et comment on sait, donc, pour les camions, c'est quoi ceux qui sont adaptés à la route ? On sait même pas. Donc c'est un camion au road truck, ça. Mais on fait quoi maintenant? Faut prendre le camion? Ah voilà. Bienvenue dans Euro Truck. Ah, c'est quoi ça? Oh cool! Euro Truck Simulator. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Faut faire quoi là? Pourquoi il y a tous ces trucs là? Ah ouais, c'est moi. Qu'est-ce qu'on doit faire, hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois effectuer dans l'ordre. D'accord, acceptez le contrat. Des marqueurs supplémentaires sont apparus. Celui de la ville indique l'entrepôt où vous pourrez récupérer la cargaison requise. Le marqueur près du pont cassé indique le lieu de livraison. Allons voir l'entrepôt de la ville. Ah, donc faut que j'aille là-bas. Donc il n'est pas fait pour aller dans la boue. C'est pas fait pour aller dans la boue? Ouais, mais t'as vu comment je fais? Alors, vous disposez maintenant d'un véhicule puissant. Le seul problème, c'est que vous êtes coupé du continent. Reconstruisez le pont pour accéder au garage et obtenir un vrai contrat. Livrez au vieux pont des poutres en métal. Et on les a où, les poutres en métal? C'est là, alors? Mais on n'a pas une symbolisation de ce qu'on peut trouver, c'est con. Poutres en métal, entrepôt. Alors comment est-ce qu'on fait pour y aller? On n'a pas le droit d'aller dans la boue avec le camion. Là, on suit la route. Ah, mais t'as vu le bourbier que c'est? Bon, on va bien voir. Il faut peut-être que je prenne mon remorque en plus. Je sais pas. C'est un peu Euro Truck Simulator. Saccagé. Ils ont mis de la boue partout au milieu des routes. J'ai pas suivi, c'est parce qu'il pleuvait, mon cher Rage.
Ce camion est capable de transporter 2 emplacements. Ça y est, c'est parti pour Euro Truck Simulator. Musique. Oh, attends, ça roule bien. Attends, faut qu'on passe en vitesse basse. Pour pas se mettre dans le bourbier, là. Ça passe ou pas? Oh, bah, c'est bon. Enfin, putain, t'as vu la route, là? Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh putain, derrière, comment ça glisse? Ah mais j'ai pas de treuil, j'ai rien avec ça. Ah si, j'ai un treuil. Voilà. Treuil. On est bon là ou pas? Ouais, c'est bon. Bah je crois. Allez, on accélère. Wouhou! C'est bon! Eh, mais je me débrouille carrément mieux que mes premiers faits d'armes sur ce jeu. Putain, ça va trop vite! J'arrive même pas à manier le camion là. Regardez le match PSG. Il n'y a pas de clignotant, c'est dommage. Alors c'est où qu'on doit récupérer la marchandise là? Ah, c'est là. On va y aller en marche arrière. Regarde à l'ancienne la marche arrière. Regarde derrière là. Ça passe ou pas? Je crois que ça passe. Hein. Regardez le pro. Pas, je suis pas un pro là. Putain, j'ai défoncé la porte, le con. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Oh t'es, ils vont nous mettre boum boum. T'as pas raté le checkpoint, je crois pas. Ah ouais. Boum boum. Boum boum. Boum boum. Vroom vroom. Boum boum. Ouais, j'ai loupé un... Ouais, le checkpoint, ouais. Putain, je sais même plus si j'ai répondu. T'es dans la musique. Boum boum. Oh, putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai tapé dans une borne incendie. Boum boum. Attends, j'ai même pas... Faut aller où, là? Boum boum. Attends, concentration quand même. Concentration, nous devons livrer les idées de Victor au pont.
Alors, comment est-ce qu'on met le... Ah là, on fait ça, ça, ça. Ah, mais il y a de l'eau, je peux pas y aller en camion là. De toute façon, les deux sont coupés. Ah si, faut passer en par au-dessus là. Tac, 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 tac. Merde, je peux pas y aller en camion là, je vais me... On peut peut-être aller chercher de l'essence entre les deux. Est-ce que ce serait pas plus safe? On prend de l'essence, on fait demi-tour. Bon, excellent! Le tracé à 2 balles là. On passe là. On arrive là. Et on est au vieux pont. Et on a livré le métal. C'est pas beau ça? On va livrer les cacas de Victor. Il nous l'avait dit donc, Maxime! Ah, mais Maxime! Mais Maxime! Je ne vous permets pas, Maxime! Ça ferait une bonne voix pour GTA RP. Bonjour, je m'appelle Victor. Oh, tu fais RP de Victor. Bonjour, je m'appelle Victor, je suis coiffeur à domicile. Alors, qu'est-ce qui vous plairait comme coupe, monsieur? Une coupe banane, années 80? Ou alors une coupe rasée sur les côtés, coupe mulet, tectonique, années 2000? Boum boum! Coupe banane amourante. Et ma mourante qui est à plus de 20 000 subs, ce qui veut dire qu'elle gagne 120 000 euros. Non, non, attends. Si, c'est 100 000 euros. 100 000 euros par, 100 000 euros par mois. Pas enfin, en brut. Boum, boum. Eh, n'empêche, ça se conduit bien. Eh, je sais pas pourquoi j'ai galéré la première fois que j'ai joué à ce jeu. Regarde, ça joue tranquille et tout. Tranquille, mon pote, tranquille, c'est la famille. On va faire le plein. Carburant. C'est bon. Ah bah c'est rapide, dis donc. Boum, boum. Alors faut passer par là, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, je faisais demi-tour. Moi je casse tous les panneaux, on s'en tape. Boum boum. C'est plus facile. Faut passer par là, c'est ça, non? Attends, je me trompe pas. Ah oui, voilà, détour. Oh là, je me mets en vitesse basse ou pas? Non, c'est bon. Ouais, je t'avoue que au niveau du comportement du camion, quand tu joues à Euro Truck, c'est autre chose, hein. Tu sens le poids. Là, je sens pas vraiment de poids en conduisant le camion. Dire je freine, c'est quasi immédiat, ça devrait pas être comme ça. Attention. Je passe peut-être en vitesse basse. Allez, on passe en vitesse basse. C'est bon. Après, je pense que j'avais pas découvert la vitesse basse lors de la première fois que j'ai joué à ce jeu. Donc là, je m'embourbe pas en vitesse basse. Je pense que d'ailleurs je vais l'enlever dès qu'on est retourné sur la route, la vitesse basse. C'est bon. Putain, le boucan que ça fait, n'empêche, j'entends même pas la musique. C'est chiant.
Attends, il y a trop de bruit. Attends. C'est trop le bordel. Le bordel dans le jeu. Bon, on va faire ça. Déjà, on va enlever un peu les effets sonores peut-être. Les événements, pareil. Ça sera peut-être mieux comme ça. Parce que ça casse les oreilles. C'est pas très insonorisé par rapport au Euro Truck. On est bon ou pas là? Voyons voir, on remet la musique. Oh, c'est un peu mieux. Ah bah là c'est tout droit. Oh attends, j'ai mal pris mon virage. Virage gauche. Ah non, je vais peut-être y aller en marche arrière, non? Pour décharger. Tant pis. Cargaison. Décharger. Yeah! C'est GG, ça! Tout ça pour avoir un jingle comme ça? Moi je l'enlève. C'est de la merde. JJ! Reculez, capitaine! Maintenant, il faut prendre des planches de bois. Planches de bois. Contrat. Planches de bois. Ah, faut que je retourne à l'entrepôt? Ah non, Siri. Petite pause sur la musique, parce que je peux pas me concentrer. Donc... nous sommes ici. On fait ça. La route de la Syrie. Ah, on peut prendre à droite, là. Est-ce qu'on voit des obstacles? Ça a l'air safe. 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 Là, par contre, là, c'est moche. Je sais pas si on va pouvoir passer en camion. Qu'en pensez-vous, copilote Maxime? Est-ce qu'on peut passer là-dedans? Moi, j'ai bien peur qu'on puisse pas passer. Si on peut pas passer, faut qu'on fasse tout le tour. Ouais, à mon avis... on va niquer le moteur. J'ai bien envie de dire, ouais, on va tenter, ouais. On va y aller à fond. J'appuierai sur le champignon, on va aller à 200 km/h. Par contre, j'aimerais mieux de jour. On va accélérer le temps parce que c'est chiant de nuit dans Euro Truck. Alors, c'est où accélérer le temps? Et là. Voilà, matin. On y va de petit matin. Oula. On y va. On prend la route vers la Syrie pour aller chercher les planches de bois afin de réfectionner le pont. Pour l'instant, tout se passe correctement. Oula. Ça, c'est pas du tout pareil l'impression de vitesse. Oula là, attention, les airs flottent. Ça passe ou pas? Oh, mais oui! Ok, tranquille. Ouais, la Syrie.
Bah, comment tu prononces sinon? La scierie. Putain, mais ils foncent ce camion, c'est ouf! Wouhou! Je respecte pas la limitation de vitesse. Alors, il est où le bois? Ah merde, j'aurais peut-être dû rentrer par l'autre côté, j'ai fait le con. Ah tant pis. Voilà le bourbier! Attends, c'est quoi ce bourbier là? Oulala! Il y a tout un bourbier devant l'endroit où tu charges la cargaison. J'ai passé en vitesse basse. Parce que là, ça me fait peur ce truc là. Une sorte de bouillabaisse. Ah, faudrait peut-être y aller en marche arrière, sinon je vais galérer. Marche arrière. Bah, fais marche arrière, du con. Voilà. Marche arrière. Là, je passe mes vitesses. Regardez en bas à droite. C'est incroyable. Je fais les vitesses à la main. Oulala, attends. Oh non! Ah! Mais c'est pas possible, ça. Putain, le pilote du... Mais non, mais arrête-toi! Frein à main! On enlève le frein à main. Non, dans l'autre sens! Oh merde, c'est inversé. Putain, mais c'est impossible, là, j'arrive pas à m'y mettre. Bon, je vais mettre en vue avant. On va se mettre comme si on pilotait réellement un engin. Voilà, frein à main. Frein à main, s'il te plaît, frein à main! À l'arrache. Marche arrière. Et voilà, on avance. Non, c'est dans l'autre sens! On est bon ou pas là? Je crois pas! Mais c'est incroyable! Mais putain! Une heure plus tard. Que se passe-t-il? J'arrive pas à faire ma marche arrière. Voilà. Frein à main! Mais putain, mais c'est chiant, putain, le véhicule qui descend comme ça. Et après, on dit que c'est pas réaliste. Bon, moi, je ne passe plus les vitesses parce que c'est chiant. Mais non! Non, pas par là! Pas par là, je vais dans le bourbier! Eh, hey, Victor, j'ai acheté GTA V. Wesh! Planche de bois, c'est bon. Allez, on s'en va. Mais impeccable, vous voyez, le chargement et tout, là. Tranquille. Allez, on se casse. Et alors, on voit l'engouement. C'est comme je dis à Maxime, j'ai acheté GTA V. Et alors? On sort le gars. L'enthousiasme. Hey, j'ai acheté GTA V. Et alors? Hey, j'ai acheté le pass de combat Fortnite. Et alors? Bah, il y a Chris aussi, il y a Chris qui est chaud pour GTA RP. Faut qu'on regarde ça. J'ai quasiment fini de télécharger le jeu, faut que je le mette après le download.
Et regarde ça, comment ça speed, mon gars. Mais c'est magnifique. Oh non. Et c'est bon. Après, c'est peut-être le début du jeu, mais je me souviens que je galérais à mort. Ou peut-être que le jeu est plus facile qu'à l'époque, au premier patch. Parce que moi, j'ai joué à la toute première version, il n'y avait aucun patch ni rien, j'ai l'impression que c'est plus facile. Ou alors, j'étais nul. Jugement, c'est quoi? C'est Yakuza, ça? Je sais plus. Ah, t'as vu. Allez, on pose. Wouhou ! Clap, 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 clap. C'est GG. Contrat accompli. Ouais, génial, génial, génial. 3 minutes de temps additionnel. Allez, on met pause. Vous avez réparé le pont et terminé votre premier contrat. Maintenant, la ville est de nouveau connectée au reste de la région. Il est temps de trouver le garage qui est maintenant marqué sur la carte. Objectif, trouver le garage. Enigmatique TV. Bravo. Alors, il est où le garage, mes chers amis? Il est là-bas, le garage. Mais moi, j'ai plus envie d'aller par là, pour commencer. Ah, peut-être que je devrais prendre plus le Chevrolet pour y aller, non? J'ai l'impression que le Chevrolet, il avance pas. Vas-y, je reste avec le camion. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait avant... Victor nous fait « Et alors ?» et maintenant il fait « Nick sur GTA V ? Mais c'est trop fort ! C'est incroyable !» Je parle pas comme ça d'abord. Qu'est-ce qui est écrit là? Lisez ce qui est écrit. Soyez prêts pour l'inattendu. Ah, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de pas prévu par là. Il va y avoir un... Victor, il parle comme ça. Salut, c'est Victor. Hey, Maxime. Bon, nous sommes dans la totale inconnue. J'aurais tendance à suivre la route, moi. Attends, c'est quoi ce bordel? Ah, il y a deux routes. Il y a la route là-bas. Ou il y a la route là. Allez, je prends la première à droite. Ah non, mais j'y suis en fait. Ah non, c'est là. Est-ce que c'est une bonne décision prise par le pilote Nigmaticus? Pour l'instant, c'est pas probant. Je pense que je vais passer en vitesse basse. Oulala. Ah non, attends, c'est peut-être pas un bon endroit ça. Oh non, attends, c'est la bouillabaisse! Oh non, c'est la bouillabaisse! Je me suis pris dans la bouillabaisse, regardez! C'est la bouillabaisse! Micheline, au secours! C'est la bouillabaisse! Comment je vais faire, moi? Frame. Faut que je sorte de là. Marche arrière. Lâcher le frein à main. Mais non, je veux accélérer en même temps que le frein à main, moi.
Allez, on se sort de ce bourbier. Allez, allez, allez! Merde! Ça, c'est la faute à Victor. Je peux pas m'élitroyer, enfin me troyer par derrière, là? Non, pas par là. Là-bas, peut-être? Bon, on va essayer avec ça. Je m'élitroye! C'est bon, on y arrive. Enfin. Voilà, c'est bon. Enfin, je crois. C'est de pire en pire, putain! C'est pas ma faute. Oh, je connais la chanson de Victor. La chanson de Victor, c'est ça. Ouais, j'allais faire... Ouais, la chanson de Victor, elle est là. Je m'appelle Victor, je suis sur le chat d'Enigmatique. Moi, Lolita. Oh, même, moi, je m'appelle Victor. Quand je rêve de Dorcel, quand fourche ma langue. Bon, bah, je crois que je suis bien bloqué là. Comment je vais faire? Attention, le refrain de Victor. C'est pas ma faute. Quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. C'est pas ma faute à moi. Le Victor. Voilà, c'était beau. Bon, comment on sort de ce truc là, mes chers amis? Comment va-t-on faire? Marche arrière. Est-ce qu'on peut se troyer? Mais ça m'attache n'importe où. Peut-être derrière là-bas. Non mais là c'est la fête. Ah, peut-être en faisant demi-tour, attends. Demi-tour peut-être par là. Aïe 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 aïe. Allez 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 allez. Oui. Allez, on tourne. On tourne. Allez allez allez. Wouhou. C'est bon. C'est GG. Oh non. Si, c'est bon, non? Ah, il y a encore de la vieille route, là. Si ça passe. C'est bon. Impeccable. Voilà, yeah. Par contre, il est où le garage? On y va vers le garage là? El garage. On y arrive. Oulala. Ah là, c'est là. Attends, c'est là ou pas? C'est quoi ça? Il y a une vache sur le truc.
Ah non, mais c'est une ferme, ça. C'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est pas un garage ici, c'est une ferme. C'est bon, on repart. Putain, ça me casse les oreilles, tant je rebaisse ce son. Voilà. Impeccable. Oh là, par contre, oh là, c'est quoi ça? Je peux pas aller là-dedans, là. On va tenter à gauche. Moi, j'espère que ça va passer. Ou alors, fallait aller dans l'eau. Mais je le sentais mal dans l'eau. Mais non, mais le camion, il est pas fait pour ça. Mais c'est ouf, cette route. Comment je vais y aller au garage? Mais non! Je m'embourbe! Bah, ça y est. Faut peut-être aller dans l'eau. Oh, bordel. Bah, ça y est, je suis embourbé. C'est pas ma faute. Bon, je vais dans l'eau. Je sais pas si on... S'il faut aller dedans, mais de toute façon, je peux... Je m'embourbe de l'autre côté. Je le sens trop mal. Oh putain! Le camion se soulève! Oh my godness! My godness! Regardez! Bon. Allez, go! Oh là là là! Go, 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 go! Ah, ça passe! Yeah! C'est bon. C'est bon. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que t'as... Le pauvre sapin! Ce qu'il faut se dire, c'est que t'as un passage forcément pour le camion qui peut pas rouler dans la boue. Il faut simplement le trouver. Ça y est, on a trouvé le garage. Ouh! Ouh! Oh! Oh! You got me, got me go!